Hello à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler de la Chaussée des Géants, qui se trouve en Irlande du Nord, au bord du plateau d'Antrim. C'est un site assez incroyable et spectaculaire que j'ai pu découvrir avec mes amis Cyril et Philippe. Ce site est classé zone spectaculaire à l'importance géologique mondiale située sur la côte maritime. L'élément le plus distinctif et caractéristique consiste à la mise à nu d'environ 40 000 grandes colonnes de basalte de forme polygonale régulière et de section horizontale parfaite formant un pavement. Ce décor inspiré des légendes de géants traversant la mer à grandes enjambées pour se rendre en Écosse. Pour la petite histoire, une petite histoire même mythologique, celle du géant irlandais Finn MacCool, qui entendit un jour, venant des côtes écossaises au large, le géant écossais Benan Donner qui l'insultait. D'ailleurs, vous pouvez voir cette histoire à l'entrée du site. Ces deux géants étaient grincheux et ils se provoquaient depuis des semaines. Au bout d'un moment, le géant irlandais, donc Finn, décida d'aller combattre son voisin, car il se moquait de lui parce qu'il ne savait pas nager. Finn a donc ramassé des colonnes de pierre et les a jetées dans la mer pour créer un pont, un passage entre l'Irlande et l'Écosse, qu'on appellera plus tard la Chaussée des Géants. Le combat entre les deux géants a fait en sorte que le géant irlandais perde une chaussure, et cette chaussure, nous la retrouvons sur une des plages. C'est entre guillemets une bizarrerie géologique. On dit aussi que Benan Donner était très grand et très fort, bien plus fort que son ennemi irlandais. Et lorsque Benan Donner a traversé la chaussée pour se rendre en Irlande, il y trouva un gros bébé, qui était celui de Finn. Il prit alors peur et se dit que si le bébé était de cette taille, le père devait être encore plus immense. Il prit alors ses jambes à son cou et repartit en Irlande, mais en empruntant la chaussée. Et il prit soin de la détruire derrière lui, afin d'éviter que Finn ne puisse le suivre. Ce bébé était en fait Finn, et selon la légende, c'est la femme de Finn qui prit soin de déguiser son mari en bébé, afin justement que Benan Donner retourne chez lui. Les études géologiques qui lui ont été consacrées depuis plus de 300 ans ont contribué au développement de la science de la Terre et montré que ce paysage vraiment spectaculaire s'expliquait par des activités volcaniques datant du tertiaire. En gros, c'était juste hier. Enfin, il y a quand même 50 à 60 millions d'années. Ce site est considéré comme un symbole pour l'Irlande du Nord. L'accès à un grand nombre d'affleurements géologiques singuliers et à des formations polygonales en colonnes, comme je vous le disais, constituées il y a 60 millions d'années. Et c'est ce qui en fait un site géologique classique pour l'étude du volcanisme basaltique. Les caractéristiques de la Chaussée des Géants et de sa côte, en particulier les strates mises à nu dans les parois des falaises, ont déterminé le processus de compréhension des séquences d'activités de l'histoire géologique de la Terre. La forme symétrique des colonnes semble être vraiment une œuvre d'art réalisée par l'homme. Waouh ! Pour de vrai ? C'est quoi là ? Un phénomène naturel ? C'est bien un phénomène naturel qui a donné à ce site d'Irlande du Nord son apparence bien caractéristique, qui passionne les géologues depuis le XVIIe siècle. Les colonnes sont si régulières que l'on croirait des pavés façonnés par l'homme, ou peut-être plutôt par des géants, car certaines peuvent atteindre jusqu'à 12 mètres de haut. En fait, ces colonnes résultent de l'érosion par la mer d'une coulée de lave datant de plus de 50 millions d'années. En gros, c'est de la lave refroidie qui a été libérée de l'ouverture du nord de l'océan Atlantique. Celle-ci a d'abord formé un vaste plateau basaltique. Et petite parenthèse, pour vous parler du basalte. Ah tiens, Cyril. Oui, allô Cyril ? Oui, salut. J'étais en train de regarder ta vidéo et tu parlais justement du basalte. Tu sais que c'est ma passion, justement, la géologie. Oui, c'est vrai qu'on tape carrément dans ton domaine. Est-ce que je peux en toucher un mot ? Avec grand plaisir, Cyril. Je te laisse leur faire part de tes explications, et ensuite, je reprendrai ma vidéo.
Alors bonjour à tous, je vais vous parler de l'origine du basalte pour commencer. Alors c'est une roche d'origine magmatique, donc qui provient d'un magma. Ce magma est issu du manteau terrestre, donc qui provient des grandes profondeurs de la Terre. Et après refroidissement et différenciation, on va retrouver une roche sombre. Il forme essentiellement les planches océaniques, donc le fond des océans, et quelques coulées de basalte continentale. Pour sa nature, on peut différencier trois types de minéraux au sein du basalte. On a essentiellement du plagioclase, jusqu'à 50%, du pyroxène et de l'olivine. L'olivine est un minéral vert, d'où son nom, olivine. Donc il s'agit d'une roche volcanique de couleur foncée, de densité voisine de 3. Et comme l'a dit Cyril, composée essentiellement de plagioclaste et de pyroxène. C'est donc une roche magmatique, volcanique, issue d'un magma refroidi rapidement et caractérisé par sa composition minéralogique. Donc on disait que celle-ci a d'abord formé un vaste plateau basaltique, puis le phénomène de contraction thermique, enclenché par le refroidissement de la lave, a fracturé ce plateau en colonnes, pour la plupart de forme hexagonale. Ce phénomène n'est pas unique au monde. On trouve aussi des orques basaltiques en Russie ou encore aux Canaries. Votre deuxième étape, après la chaussée des géants, pourrait être le château de Donluce, un château dont les fortifications datent des 16e et 17e siècles. Dans ce château, vous pourrez retrouver certaines pierres qui ont servi à la construction du château. Ce château compte parmi les plus grandes ruines de châteaux médiévaux d'Irlande du Nord. Et il est accessible par un pont qui le relie à la terre ferme. Il tient son aspect spectaculaire du fait qu'il est entouré de chaque côté par des pentes extrêmement abruptes. Et cela peut avoir été un facteur important pour les premiers chrétiens et vikings qui avaient été attirés en ce lieu, où se dressait autrefois un ancien port irlandais. En cette fin de vidéo, faisons un tour à Dark Edge. C'est un lieu qui a été repris pour les scènes de Game of Thrones. Je continuerai à vous parler de l'Irlande du Nord dans une autre vidéo, pour notamment la ville de Belfast. A bientôt! Pour conclure, je vous dévoile mes photos et cartes qui pourraient vous servir en cette fin de vidéo. Bien sûr aussi pour profiter des belles musiques irlandaises.